La vie continue parce que quelque part, quelqu'un a dit oui et a permis, en faisant don d'un organe, de plusieurs, eh bien, a permis tout simplement que quelqu'un puisse continuer à vivre, j'ose dire, normalement en faisant du sport. Et c'est toujours important de parler de don d'organes. Parce qu'on l'a fait en 2007, on le refait cette année pour toujours que les gens sachent que le don d'organes c'est important et que la partie n'est pas gagnée et qu'il faut faire des rappels de temps en temps pour leur dire ben voilà, on est là, on a encore besoin de vous et n'hésitez pas à prendre position pour le don d'organes. Si je m'appelais Peter, je donnerais mon cœur. Si je m'appelais Sarah, je donnerais mon foie. Si je m'appelais Morgane, je donnerais tous mes organes. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai battu le record d'une minute. Ah bah c'est bien. Yes! Alors, je m'appelle Lucille et je suis greffée des reins. Je m'appelle Paolo, je suis dialysée. Je m'appelle Gauthier, je suis greffée du rein depuis un an et demi. Alors, je m'appelle Élise, je suis transplantée foie depuis 15 ans. Je m'appelle Cindy, je suis dialysée. Olivier Pasteur, transplanté rénal depuis un an. Prenez suffisamment de précautions pour anticiper votre virage et bien voir dans les premiers tours où vous allez rouler comment ça se passe. Un peu surprise par le dérapage avec la pluie, mais après ça va, on arrive à contrôler. Ouais, mais on voit rien du tout quand même quoi. C'est dur sous la pluie. Faut rester concentré à chaque virage, j'ai fait deux sorties. Prochain tour, on fera mieux. C'est parti, allez. Mais où est-elle ? Alors, Benoît, si vous voulez. Allez, Benoît, bien sûr, là aussi, mes belles bagarres, un peu. Transplanté du cœur depuis 3 ans. Ça fera 4 ans au mois de mars. Et depuis, c'est super. Avant, je faisais pas forcément de sport, mais depuis, on voit la vie différemment. Et, j'ai envie de profiter de tout, de faire du sport, de la plongée. On rencontre plein d'autres personnes comme nous. C'est vraiment super. Puis ça permet de véhiculer au sein de la ville le message du don d'organes. Je suis transplanté cardiaque depuis 10 ans et 7 mois. Je vais bientôt avoir 77 ans. La raison que je fais toutes ces choses, c'est-à-dire tous mes périples, les jeux, etc., c'est pour faire comprendre que même après une greffe, la vie continue malgré l'âge de ses artères. Et en plus, je suis un grand militant pour le don d'organes, car il faut bien savoir que demain, c'est peut-être vous, vos proches, vos amis qui en auront besoin. Ça, c'est très important.
pour moi c'est important parce que bon, c'est normal de penser à ce qui nous a donné le don. Donc on joue tout en pensant à lui, en disant qu'on l'a gagné, mais en étant en deux. Waouh, maman, elle a fait un super smash. J'ai été greffée d'un rein et ça fait déjà 6 ans. En fait, on est venu pour plutôt encourager puis soutenir Maëva. Regardez, aujourd'hui, elle peut faire du sport, participer au ping-pong, badminton. Ça, elle ne pouvait pas le faire quand elle était malade. Il y a 10 ans, notre fils Jean-Philippe est décédé dans un accident. Il a été renversé par une voiture. Donc nous avons fait le choix de donner ses organes plutôt que de le voir partir avec des organes qui ne serviraient à rien. On a fait le choix de dire donc aux infirmières coordinatrices de prélever tous les organes qui étaient possibles de prélever. Et nous sommes très heureux d'avoir fait ce choix parce que quand on voit aujourd'hui donc les transplantés qui vivent, qui font du sport, et on ne regrette absolument pas. Et on voudrait que tous les gens qui se retrouvent dans les mêmes conditions que nous il y a 10 ans fassent le même choix pour permettre à tous ces gens qui étaient condamnés de revivre. Parce que nous avons perdu notre fils, mais nous avons quand même permis à 5 personnes de pouvoir revivre. Je fais du vélo pour aller au travail, je fais ça en loisir et en principe là on doit faire 20 km aujourd'hui. Sous la pluie, une condition idéale. Normalement vous étiez prévu 9 tours, donc vu les conditions météo, vu la route, donc je vous propose 6 tours. Tout le monde est bien là, hein? En remerciement des donneurs, toujours penser à notre survie grâce à eux. Et si on a envie de. Si ça va, il y a une baisse de régime, ben on pense à eux, puis ça motive jusqu'au bout. Et merci encore aux familles qui font cette démarche. Et il faut continuer. Voilà, on est des témoignages pour la vie qui continue, au-delà de la mort. Voilà. C'est bien, allez, c'est bien. Non, c'est content de pas d'être vivant, il faut vivre. Alors moi je force toujours le destin, dans ma vie maintenant je force le destin à tout moment, et y compris dans le vélo. Heureux de ma nouvelle vie. Transition du froid avec l'eau très chaude et l'air frais, ça essouffle encore plus au niveau cardiaque. L'eau étant chaude, ça calme un peu plus aussi. C'est un grand bonheur de pouvoir faire ça. On se remontre de quoi on peut être capable après une greffe. Mais c'est plus que positif. Allez, 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 Cindy, allez! Ouais. Faut montrer que quand on est transplanté, quand on a la main dure, on peut faire du sport, quoi. Et même si on a du poids, tout ça, il faut se bouger, quoi. Il y a du sport, c'est pour tout le monde. Ça fera bientôt 3 ans que je suis greffée, quoi. Et je me mobilise pour pas mal de choses, quoi. Pour la sensibilisation et faire reprendre le sport à des sportifs, quoi. Des futurs sportifs, quoi. Transplantés, dialysés. Bien, c'est bien. C'est la dernière.
Ismaël il est là, c'est de la balle. Joli celui-là. Hein. 3 sur 5, c'est pas mal. Ça revient à ça, tiens. C'était des jeux qui vraiment, bah, immédiatement, en deux jours, si tu veux, qui ont pu montrer à quel point il y a une évidence de la solidarité, de l'amitié, en tout cas un bout de chemin finalement assez commun vécu par tous les transplantés dialysés, à la fois de souffrance et en même temps de désir de reconquête d'une qualité de vie. Donc ça fait que même si malheureusement on a un peu de pluie, ben, tous ces problèmes-là, toutes ces petites questions ont été balayées. Donc tout ça, ce sont des sourires et finalement la démonstration vraiment d'une belle aventure, quoi. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel.